Le sport, le football, avec la défaite en souriant de Lens hier soir en Ligue 2 face à Brest, 3 buts à 1, une défaite avec le sourire. Donc, puisque les Lensois ont profité des faux pas de leurs poursuivants et sont désormais assurés de retrouver l'élite l'an prochain, tout cela a été fêté comme il se doit par les fidèles supporters lensois. Julien Beneteau et Patrick Vursan. Les portes de la Ligue 1 sont à nouveau grandes ouvertes pour le peuple sang et or. Centre d'entraînement du Racing Club de Lens ce matin. Des centaines de supporters affluent pour remercier les joueurs. Fierté et émotion. Depuis hier soir, on a les frissons, quoi. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Hein. J'ai fait 150 km pour venir les voir. Hein. Je suis du 0-2, je viens ici, je suis fidèle supporter. Hein. C'est mon club, quoi. J'ai pleuré. J'étais trop contente. Ironie du sport, c'est une défaite qui propulse Lens à l'étage supérieur. Hier, le leader de la Ligue 2 a été battu à Brest, 3 buts à 1. Mais à deux journées de la fin, les joueurs du Pas-de-Calais sont assurés de terminer à l'une des trois premières places du classement et donc de remonter en Ligue 1. Un an après, Lens a lavé l'affront. Un énorme soulagement pour nous parce que tout simplement on a quand même été couverts de honte l'année dernière avec cette descente. Et puis ce soir, ce chapeau, on l'a fait tomber. Donc on est vraiment fiers et heureux d'avoir remonté dès la première année. Lors de retour dans l'élite, c'était écrit. Avec un budget supérieur à certains clubs de Ligue 1, le club artésien n'a jamais vraiment tremblé dans les joutes piégeuses de la Ligue 2. Après un an de purgatoire, le meilleur public de France, comme on le surnomme, retrouvera cet été les stars de la Ligue 1.